coup Baradji, il a pu distiller ce ballon là sur l'aile gauche, le centre à venir au deuxième poteau, Virgil Miroy qui va la reprendre, le ballon qui n'est pas sorti, la tête juste derrière, oh la claquette bien sûr de Stéphane Véron, c'était chaud sur les buts audoniens. Et peut-être ici là avec Abbas là qui va essayer de se faufiler dans un trou de souris, qui va frapper, hop, c'est passé au-dessus, début de Chariot. C'est parti pour un match et l'arrêt sans problème pour Véron. Et c'est ainsi d'ailleurs que est sifflé la mi-temps ici au Stade Bauer, 0-0 dans ce derby de l'Île-de-France, mon cher Vincent. Être un petit peu plus chaude, Vincent Magnès, notre consultant historique sur FFF TV, avec pourquoi pas se débouler, on l'a vu là, de Formos Mendy qui a pris une énorme semelle sur la cuisse. Et là, eh bien, ça va chauffer un petit peu plus les esprits. Et Guillaume Paradis là qui va appeler, c'est Fabio Pereira vraisemblablement. Avertissement verbal, est-ce qu'il sera suivi d'une biscotte beurrée? Oh, carton rouge! Carton rouge Vincent, et c'est peut-être le tournant du match. Colère, colère de la part des Cristoliens qui vont tout de suite demander des explications. Et bien Monsieur Paradis qui donne un carton jaune dans la foulée à Alex Pardal. Et les bains chauds, parce qu'il y en a à Bourque, et qui passait sa vie dans les bains chauds. Ou un match, la frappe du pied gauche, il avait pris, tapé de l'extérieur, un peu d'espace là. C'est très compact à nouveau du côté de l'USCL. Regardez, qui va aller presser là avec Dogo. Oh, il fallait pas il fallait mieux se comprendre. Et regardez ce bon ballon là distillé. Oh, la belle occasion, la belle occasion pour Dogo et le premier face à face. Ouais. Avec Chariot. Contre là, c'est très très bien fait de la part de Moussa Sao. Avec ce ballon qui va arriver vers Jimmy Roy. Oh, la frappe, elle est tendue. On a bien suivi de l'autre côté, du côté de Harab. A pu proposer du très beau jeu en ayant la possession. On les a vus aussi en seconde période contre QRM. Attention avec Nicolas Verdier dans la surface face à Doshi. Sans problème pour Eddy Chahiri. Qui ne prend que des bonnes décisions. Et c'est à lui, à nouveau, qu'on va retrouver leur entrée dans la surface de réparation. La frappe croisée. Et la nouvelle occasion pour le Red Star de la Champions League cette semaine. Oh, oh, belle couche. Il a vu la position un petit peu avancée de Chariot. Là, s'il marque, en plus c'est que le numéro 5 dans le dos, s'il marque de là, je l'appelle Klaus Augenthaler. Bayern de Munich 1974. Oh, attention, un match, la reprise immédiate. Magnifique.